L'indépendance, c'est quelque chose qui vous très cher aussi. Euh, même au sein de France Télévisions, ça peut poser des questions. On a lu ici et là parfois des gens dire compliqué euh, de travailler avec Alice Lucet parce que c'est un peu l'état dans l'état, euh, parce qu'elle n'écoute pas ce qu'on lui dit. Ouais, euh, certains emploie pense... même le terme dingérable. Oui, mais je pense que c'est beaucoup de gens qui ne travaillaient pas avec moi déjà. Et puis bon, mmh. les forts caractères ça suscite des forts euh, commentaires. Mmh. On va dire ça. Donc euh, oui, j'ai un fort-caractère. Et après, je déteste les conflits. Donc euh, quand je travaille avec des gens, moi, j'aime que ça se passe bien, que ce soit cool. Mais si on me dit du jour au lendemain... Euh, euh, on on va te réduire tes, tes effectifs de 60 Bah non, ça peut pas être possible. Donc ça, dans ces moments-là, oui, je, je défends mes troupes et je monte au créneau. Mais ça, c'est réglé. Maintenant, c'est derrière nous. Là, on a des très bons rapports avec la direction de France Télé, que ce soit de la direction de l'info, la direction des programmes. Mais do, dans des moments où je sens que des programmes peuvent être en danger, je, je peux montrer un, un peu les dents ou être ferme, on va dire. Justement, dernière rumeur. Mais juste, je, pour... je ouais. redis et c'est très important. Il n'y a pas de conflit avec la direction de l'info aujourd'hui. Mmh. Ça se passe mmh. très bien. Ouais, vous tenez à revenir là-dessus parce que c'est quelque chose qu'on vous ressort assez souvent oui, oui, oui. oui. Ben, quand on dit que je suis ingérable, quand on dit que voilà, je suis insupportable, euh, bon, franchement, là pour, enfin, en ce moment et depuis longtemps, les, les rapports sont vraiment des rapports professionnels tout à fait paisibles, normaux. Ça bosse, ça Ça travaille. vient d'où ça C'est parce qu'on est en première ligne et Ça suscite déjà l'ouïe oui, là je pa... encore Je pense, je pense franchement ouais. que quand on sort des émissions comme celle que toutes les équipes sortent, celles d'envoyé spécial ou de cache investigation, ben, ça veut dire que très régulièrement, on a des discussions avec la direction mmh. et qu'on ne parle pas du temps qu'il fait, on parle pas du barbecue de CNews ou de ces et on ne parle pas de ces choses-là, on parle de choses très importantes et qui peuvent mettre en, parfois en danger le groupe. Donc c'est des niveaux de discussion où on sent qu'il y a des gros enjeux, mais faut, dans ces cas-là, franchement, ça se passe très bien hein, en ce moment. Et puis, encore une fois, on a la chance de voir une direction qui nous suit, y compris sur des sujets très difficiles.